Les guides trouvent ça un peu absurde quand on leur demande est-ce que j'ai une mission de vie? Mais en même temps, ils comprennent tout à fait pourquoi on veut demander ça. Donc, premièrement, ils trouvent ça absurde parce qu'on n'en a pas juste une, on en a plusieurs et on est toujours en train de marcher dans la voie de notre mission de vie parce que c'est à l'intérieur de nous. Donc, chacune de nos actions, de nos passions, c'est toujours orienté à quelque part dans nos missions de vie. On en a plusieurs, donc des fois on peut en oublier une, et là c'est le fun dans une lecture akashique qui vient de dire, ah oh, ben là, là en ce moment, dans ta phase de ta vie, tu te concentres plus sur cette mission-là pour venir guérir d'une peur ou d'un blocage, mais en même temps ils comprennent tellement pourquoi on pose cette question-là, parce que les personnes qui sont intéressées par les archives akashiques, la réincarnation, ce sont des vieilles âmes. Puis comme vieille âme, on veut toujours une recherche de sens parce qu'on veut être certain, certaine de ne pas passer comme à côté de notre mission de vie, de nos missions de vie, c'est-à-dire. Et donc, on a toujours cette recherche de sens. C'est pour ça qu'on est dans le développement spirituel. Donc, ils comprennent tout à fait, mais soyez rassurés, vous avez plusieurs missions de vie et vous les incarnez à tous les jours.